Depuis le 15 octobre 2018, nous sommes dans la phase pratique du tutorat et qui est une stratégie de renforcement de capacité sur site des prestataires pour leur rappeler le protocole de prise en charge, les procédures de gestion de service, l'hygiène hospitalière, afin d'améliorer la qualité des soins offerts à nos populations. Bon, le tutorat, c'est un processus qui consiste d'apporter ce qui manque à l'encadrement technique d'un centre de santé pour la gestion du centre. En matière de la prise en charge des malades, surtout les soins de qualité, et la prévention des infections, la propriété, sans oublier les activités de la maternité. C'est cette pratique-là qui a consisté à approfondir nos connaissances dans plusieurs domaines pour ensuite aider nos pères à mieux gérer leur centre, à bien assurer l'hygiène et l'assainissement dans leur centre, à suivre le protocole en vigueur dans notre pays, le Bénin. C'est une formation sur site qui prend en compte les réalités du prestataire et ça a permis d'améliorer vraiment la qualité des soins au niveau du département. Puisqu'on a eu des tuteurs d'appui qui sont des agents professionnels expérimentés, ils se sont intégrés à l'équipe soignante et les autres les ont vus faire. Les agents ont perçu la pertinence de cette approche. Les deux semaines que nous avons passées avec les tuteurs d'appui et les facilitateurs nous ont ouvert même en griffe les yeux pour mieux comprendre ce que chacun doit faire. Le tutorat nous a amené à utiliser ce qu'on appelle l'ordinogramme devant tout malade venu pour consulter. Avant, on ne prenait pas en charge systématiquement le malade avec l'ordinogramme. Dans la prévention des infections, par exemple, aujourd'hui, le traitement des instruments se fait selon les normes et aussi la prévention, l'utilisation des barrières de protection qui devaient être utilisées normalement, qui devaient rentrer dans nos habitudes comme cela se doit, n'y était pas. Mais après le passage du tutorat, c'est rentré dans les habitudes aujourd'hui et c'est profitable pour nous les soignants et les soignés aussi. Le malade qui vient au centre de santé, si il n'a pas une bonne gestion des déchets, un bon entretien des locaux, le malade peut repartir à la maison avec des maladies qui ne l'avaient pas amené aux soins. Avec tutorat, aujourd'hui on sait comment nettoyer les salles, on sait comment classer les salles par ordre de risque. Tous les agents savent comment donner un soin de qualité en ce qui concerne le soin de prévention à un malade. Les registres n'étaient pas remplis. Et il y avait certains registres qui manquaient, tels que SMI, à la pédiatrie ou à la maternité. Alors, on a amené les prestataires à exprimer leurs besoins. Et ça a permis d'améliorer vraiment la qualité des soins au niveau du département. Et la preuve, c'est la dernière évaluation en assurance qualité qui a été faite, a montré que les formations sanitaires ont gagné en score par rapport à la qualité des soins. On gère bien les traitements désormais dans notre centre de santé de Agathogo. Le majeur, par exemple, n'est pas allé au tutorat, les aides non plus, mais eux tous savent désormais qu'il y a un tuteur dans leur centre et que pour ça, il faut suivre ce que le tuteur est en train de dire et ça se passe bien désormais. Avant, si vous venez dans mon centre, l'intimité du malade n'était pas préservée. On faisait les soins dans la salle d'hospice. Mais le jour que le tuteur est arrivé, ils nous ont demandé où vous faites les soins, où vous donnez les soins aux malades. On a dit c'est dans la salle. Une femme qui est venue, tu dis déshabille-toi ou bien je vais faire ce soin devant un autre malade hospitalisé. Avant de quitter, le tuteur a fait tout possible pour qu'on trouve une autre salle pour commencer par faire les soins aux malades dans cette salle-là. Ça, là, c'est un acquis. La cuisine des accouchés que vous voyez derrière vous là-bas, c'était une cuisine qui était une cuisine de fortune. La dame vient accoucher, mais pour préparer ou bien pour chauffer l'eau, il faut qu'elle aille à la maison chauffer l'eau avant de venir.
tutorat avait insisté à ce qu'on fasse quelque chose avant son départ. Ce qui a été fait aujourd'hui, les femmes bénéficient. Si on prend la maternité, il n'avait pas de tensiomètre, mais le tutorat nous avait doté d'un appareil à tension. Donc, pour ne citer que ça, là, on voit que le tutorat a apporté beaucoup de choses dans notre centre. Désormais, les agents de santé, comme bonne pratique, savent qu'il faut trier les déchets déjà à la base pour convoyer à l'incinération. Il y a aussi la tenue des supports de données qui s'est vraiment améliorée et l'utilisation des protocoles des services de santé familiale. C'est quelque chose, les prestataires n'étaient pas tellement habitués à l'utilisation et restaient encore dans la routine. Avec la formation suicide, où dès qu'il y a un cas, on prend le protocole, on montre aux prestataires comment on utilise pour la prise en charge des cas, cela s'est amélioré. Et puis, les agents de santé savent désormais à Gatogbo qu'il faudrait qu'on ait les cahiers de consignes, les cahiers de descente de garde qu'il faut remplir à chaque montée et à chaque descente à Gatogbo. Au moins, pour la propreté, c'est nickel. Donc, tutorat est venu nous accompagner et la direction et son staff vraiment sont engagés. Ce qui n'a pas fonctionné jusque-là, c'est que notre centre n'a pas assez de moyens pour acheter tout le matériel qu'il faut pour la bonne marche du tutorat. À la maternité, par exemple, jusque-là, nous n'avons pas encore de table de réanimation du nouveau-né. Ça va venir, mais ça tarde. À Gatogbo, par exemple, a des WC qui ne sont pas allés en profondeur à cause de l'eau qui est juste à côté. Donc jusque-là, ça ne marche pas. On cherche à voir comment est-ce qu'il faut changer ça. On n'a pas pu jusque-là. Donc, ça n'a pas marché, par exemple, côté hygiène et assainissement. Je peux donner jusqu'à 18 sur 20 et je justifie ma réponse parce que le tutorat, on avait des habitudes. Et ces habitudes, là, normalement, on devait les prendre en compte, mais on ne les prenait pas en compte. Le tutorat tel que la formation s'est passée nous a permis, parce que nous sommes devant le fait accompli et c'est ce qu'on doit faire pour se protéger, protéger les malades et aussi pour garantir la santé. Pour noter le tutorat, je donnerai 18. 18 parce que non seulement les agents de santé ont apprécié la chose, mais les patients qui sont venus ont constaté qu'il y a un changement dans le centre. Vous voyez, nous sommes dans un centre qui est propre. Avant, on faisait de notre mieux, mais avec tutorat, on a mis de l'accent sur certaines choses pour satisfaire le patient qui vient aux soins, sorti guéri, sans maladie, autre maladie plutôt. Au tutorat, je suis suivi. Parce qu'il y a eu un grand changement dans notre centre de santé. Beaucoup nous félicitent déjà pour le travail qui se fait à Gatogbo, pour la propreté du centre à Gatogbo. Donc, ça nous rend fiers, nous-mêmes. Par rapport à la pérennisation des acquis de cette formation, c'est le suivi périodique des prestataires et les supervisions que déjà au niveau de la zone sanitaire, cela s'organise déjà, mais le département aussi doit accompagner ces suivis périodiques pour pouvoir maintenir les acquis. Parce que dès qu'on ne fait pas le suivi, pour rappeler aux prestataires de temps en temps ce qu'ils doivent faire, ils tombent encore dans la routine. Donc c'est le suivi et nous avons déjà commencé à programmer cela dans notre PITA de 2020. Mais le problème, les difficultés auxquelles on serait peut-être confronté, c'est la mobilisation des ressources. Parce que qui dit activité dit forcément mobilisation des ressources. Et nous savons dans notre contexte, le financement de la santé, l'ardoise qui est réservée est vraiment minime. Mais au niveau des zones santé, on peut faire des intégrations de services pour pouvoir faire le suivi. Et permettez-moi de remercier le ministre de la Santé qui a compris et les partenaires techniques qui ont appuyé et qui ont financé, et Nabel surtout à travers PAOC. Moi, je pense que c'est ce qui devait être. Nous irons jusqu'au bout du monde pour sauver nos
population. Tu t'auras et la paix aussi. Aucun d'eux ne périra pas. Tu t'auras et la paix aussi. Aucun d'eux ne périra.